Bouygues Télécom, mes amis, Bouygues Télécom, bien sûr, Bouygues Télécom. Alors, qu'est-ce que les vacances? C'est ce qu'on te souhaite. C'est ce qu'on te souhaite énormément, bien évidemment. Je sais pas où ça a coupé exactement, parce que merci Bouygues Télécom. Bouygues Télécom, je vous pisse à l'arrêt, hein. Littéralement, je vous pisse à l'arrêt. Et ref, je vous pisse vraiment au cul. Est-ce que vous avez eu que la line-up du Hellfest? Parce que je sais pas quand est-ce que ça a coupé. Mais voilà, pour Ceci, tu voulais savoir un petit peu le Hellfest. Bah, la line-up de cette année, comme je disais... Attention, j'arrive. Je me suis pris un Dokelec dans le cul. Comme je disais, la line-up de cette année sur le Hellfest. En tête d'affiche, on a Kiss, Motley Crue, Iron Maiden, Slipknot. Rien que ça en tête d'affiche. Après, bah, il y aura Sum 41, il y aura Tenacious D, coucou et salut Doc, hein, coucou Jack Black, Tenacious D, Fishbone, il va y avoir Behemoth, Testament, The Ghost Inside, Clutch, Papa Roach aussi, c'est pas mal. Bah, Sum 41, putain, l'adolescence quoi, notre adolescence. Voilà quoi, plein de trucs comme ça. Electric Callboy, je connais pas ceux-là. Voilà la line-up quoi. Voilà la petite line-up. Elle est énorme quoi. Elle est juste extraordinaire quoi. Enfin, extraordinaire. On peut toujours faire mieux, mais bon, elle est pas mal. Oh là là là, mon Sum 41, mon adolescence quoi. Ça va et toi? Bah écoute, ça va. Hein. Tenacious D. Tenacious D. Je pensais à toi, Doc. Hein. Tenacious D. Ou Hellfest, Tenacious D. Aïe, aïe, aïe. Oh, ça va être cool, hein. Oh. Ah, petit Ro, mais vous l'avez pas entendu. Vous l'avez pas vu venir. Allez, bon. On va continuer là où on s'est arrêté hier. Tenacious D, trop bien. Ouais, Tenacious D, s'il te plaît. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est du lourd, hein. Mais pourquoi il... m'arrête de teabag. On valide. On valide avec Flambuzard. On va commencer avec le Flambuzard. Et tac, on va mettre Canard WC juste après. Mais ouais, non, la line-up, ouf, elle pique, hein, elle pique, hein, elle pique sa race, hein. Mais Iron Maiden, Slipknot, juste Slipknot, quoi, juste ça. Ah. Tiens donc, ne serait-ce pas Fouals VD. Oh, j'ai des beaux cheveux. J'ai l'impression qu'autour des arènes se déroule, on ne peut mieux. Attends, c'est toi que tout le monde parle, non? J'ai la classe. Mais si c'est toi, pareil que t'es un boss en combat, c'est vrai? Oh, pas tant que ça, hein. Oh, pas déconner. Feu à d'autres, fais pas ton modeste. Je vous présente Karien. Et hop, ça moi, à ton service. Ouais, je sais, je suis plutôt canon, mais t'inquiète, je mords pas. Karien a beaucoup d'humour, mais elle est aussi membre... Quoi? Elle est aussi membre du Conseil 4 comme moi. Mais je blaguais pas. Oh putain, mais comment tu veux faire les voix? Mais c'est des personnages cisgenres. Je me suis dit son nom genré. Je peux pas faire une grosse voix. Je peux pas faire une voix aiguë. Je vais faire une voix normale. Oh putain, le doublage, c'est la galère là. Enfin bref, t'as plutôt l'air futé à première vue. Naturellement, il compte parmi les élèves les plus éminents de l'académie. Haha, ouais, ça se voit. Mais tu vas voir, quand t'auras dépassé la quatrième arène, tu as moins rigolé. Effectivement, la grande majorité des dresseuses et des dresseux renoncent à mi-parcours. Mais toi, t'es pas comme les autres. Hein. Tu vas en faire qu'une bouchée de ces arènes. En tout cas, t'as intérêt si tu veux qu'on se revoie. Une voix neutre. Bah ouais, mais une voix neutre, quoi. Une voix cisgenre. En tout cas, t'as intérêt si tu veux qu'on se revoie pour ton examen de maîtrise. Je vous souhaite bonne chance. En dessous de ma gueule, oh papy. Nu nu nu. En dessous de ma gueule, parce que je dis, oh putain, c'est un 41. Mon adolescence. Papy.
J'ai entendu dire que vous avez rapporté son portefeuille à Kambu, Volsvd. Merci pour votre trade. Ce n'est certes pas la procédure habituelle, mais je vous annonce que vous avez réussi l'examen d'arène. Bravo! Incroyable. Souhaitez-vous affronter le champion Kambu, le cordon bleu marine? Non. Très bien, n'hésitez pas à revenir me voir dès que vous serez prêt. Mais oui, bah si, c'est bon. Nya nya nya, oui. Dans ce cas, veuillez me suivre, je vous prie. Je vais vous conduire jusqu'au terrain de combat. Allez, c'est parti. Et les chargements. Les temps de chargement. Pa-pa-pam, pa-pa-pam. Je suis une vieille. Oh, je suis une vieille. Oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oh, what is it? What is it? Allez, Kambu, tu veux bien jouer avec nous? Faites-vous l'honneur de tester le nouveau menu de mon restaurant? Ah, désolé la compagnie, mais pas tout de suite. J'ai du plein sur la planche, là. Allez, attendez-moi un peu plus loin, d'accord? On voudrait pas faire attendre notre invité. Bon, d'accord. Attends. Oh, c'est le Philippe Etchebest de Pokémon. Oh, c'est toi! Prends place! Tu m'as rendu un fier service à Porto Marinada. Je vais pouvoir préparer des plats délicieux et c'est Wakame légendaire. Et c'est grâce à toi! Par contre, va pas croire que ça va te donner droit à un traitement de faveur sur le terrain. Pom, 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 papapom. Aux enchères, on se bat avec de l'argent, mais dans une arène, c'est en attaquant. Mes capacités, mes techniques créent des remous jusqu'au fond océanique. Mes Pokémon vont te concocter un menu entrée, plat et dessert. Tu vas déguster. Ouais, bah là, j'ai pas trop le choix, hein, mec. On est en Nuzlocke, hein. Kambu. Délestin. Qu'est-ce que c'est que ce délestin? C'est, on dirait, un acier haut. Ou alors, c'est un haut tout court. Oh, dans le ventre petit, mais c'est pas un vieux matelot qu'on apprend à ramer. Ça commence. On va le tester. Allez, un rebond. Amuse-toi bien, je passe à voir que ça marche. Des bisous. Bon live. Et le crit! Ou critique! Ouais. Ha ha! Oh putain, il esquive! Allez, deuxième câlinerie. Vas-y. Attaque-moi, j'ai une casque brute! Ton avis, pourquoi j'ai mis le casque brute sur Flambusard? Et pourquoi je lead avec Flambusard? À ton avis? Pas par gaieté de cœur, hein. Un trio Pico. Qu'est-ce que... Kezako. Donc j'avais raison, c'est un trio Pico. Oh merde. Oh la vache. Ça, ça doit être haut, hein. Alors il y a... Mais il se fait mal, la vache. Ah, il gros feu. C'est pas très efficace, mais... Ah putain. Il est poisseux, d'accord. Donc là, si on fait du physique... Faut que je fasse gaffe, hein. Faut vraiment que je fasse gaffe. Oh, c'est bon, là, il est niqué. Il est niqué par le casque brut. La force du casque brut est extraordinaire. J'ai pas vu. Pendant les marées, la mer se retire avant de remonter. Et attention de ne pas boire la tasse. Ok, c'est un crabe minable, d'accord. Donc là, c'est un combat haut. Donc je m'en fous. Je m'en fous. Quoique. Le vent tourne et la mer se transforme. ICO! Matelot, terra cristallisation, Pokémon O.
que lui, crabeau minable, il est... bah, il est haut, lui, non? Non, ou il est glace. Oh le gros nul. Allez hop là. Allez. C'est nul. Mais c'est nul. C'est nul. Putain c'est nul. C'est nul en fait. Je laisse faire le casque brut. Regardez, il va se tuer juste avec mon casque brut. Voilà. Bravo Mongol. Bravo Mongol. Putain c'est naze. C'est pourri. Un flan bizarre qui a carry la game hein. J'ai dégusté. Oh putain t'as dégusté mon gars. Putain mais j'ai mal pour toi hein. J'ai mal pour toi vraiment hein. J'ai pas d'honneur. J'ai zéro honneur là. Mouahaha, j'ai perdu mais cet affrontement a été aussi rafraîchissant que les embruns. À tes yeux, j'étais rien de plus qu'un misérable Magikarp pendant ce combat, pas vrai? Allez, c'est la fin du voyage pour moi. J'ai pas fait le poids face à toi. T'as su faire la victoire et t'as rien lâché jusqu'à la fin. Et maintenant, une petite photo pour la remise de ton badge. Parti. J'ai prévu une pause pour l'occasion, je suis content de pouvoir enfin la montrer. Moi aussi. Ouais, c'est quoi? Mais c'est quoi cette photo? Ouais, je la prends, je la garde. C'est quoi cette photo? Mais... Mais c'est pourri. Mais c'est complètement pourri. Avec un badge d'arène, tu peux capturer plus facilement les Pokémon jusqu'au niveau 40 et ils t'obéiront. Et voilà notre petit cadeau. Je sais que t'en feras bon usage. En plus, c'est une belle affaire pour toi puisque c'est gratuit. Ma générosité me perdra. Oh, douche froide. Je la connais pas celle-là. Et sur ce... Il va être temps de se préparer pour la prochaine vague de clients au restaurant. J'espère que tu passeras goûter mes plats. Allez, salut. Oui. Aïe, aïe, aïe. Pas Menzi, non, pas Menzi. Oh putain. Eh, faut aller se vider. Oh non, pas toi. Tu viens de finir l'arène, bravo. C'est vraiment génial, ça te fait 4 badges d'arène. T'as déjà fait la moitié du chemin, félicitations. C'est fou, t'arrêtes pas de progresser. Ça me donne envie de faire un combat tout de suite maintenant. Mais en fait, c'est pas trop le moment là. En gros, j'ai choisi l'équipe de Pokémon que j'ai sur moi spécifiquement pour cette arène. Et je préfère t'affronter dans les meilleures conditions, alors notre combat devra attendre. Ça tombe vraiment mal, désolé FoilsVD. J'espère que tu m'en veux pas. Non, 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 au contraire, je m'en fous, casse-toi. T'as raison, casse-toi. Vas-y, dégage. Mais il y a beaucoup de trucs. J'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs. Là, si je vais dans l'eau, je me noie. Ah non. Non, mais il y a énormément de trucs. J'ai l'impression qu'il y a énormément de trucs, quoi. C'est quoi ça? Bienvenue chez Seguro. Allez! Magnifique, hein? Ah! Oh putain! Un casque! Non mais ils sont sérieux là? Casque futuriste? Mais je suis un Daft Punk! C'est le bruit de terre de brig! One more time! Putain! Mais... Je suis un Daft Punk! Ah! Je suis un Daft Punk! Allez! J'achète! J'achète! Oh, je veux être un Daft Punk!
C'est quoi ça? Un casque tout terrain, c'est quoi? C'est... D'accord. Après, il y a un casque de vélo, on s'en fout. Il y a des mitaines. Bon, c'est super, hein. Ça met 3 heures à se charger, mais ça va, c'est cool. On va prendre des mitaines orange, non? Ouais. C'est très... Merde, je les ai pas équipés. Merci de votre visite. Oh là là, incroyable. Je suis un Daft Punk. Regardez-moi ça. Comment je fais pour me pour m'équiper là? Alors, est-ce que c'est comme ça qu'on peut... Non ? Ah, mais je voulais faire un super saut ! Oh, mais c'est de la merde. Je vais faire un saut super stylé. Là, on peut se changer, là. Bon, c'est un magasin de chaussettes. Le magasin de chaussettes. Moi, je veux des chaussettes hautes. Oh, des collants. Oh, des collants. La classe. Voilà, marron, marron chiasse. Bleu marine. Moi je veux des collants orange. La classe. Oui, ça sera tout. Qu'est-ce que c'est que cette boutique? Ah, je peux pas rentrer. Oh, quel scam. Pour les Golgothes. Ah, la manga est tellement pittoresque. Ouais, je voudrais notre short, là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Coucou, tu sais que tu passes plus de temps avec un Pokémon, puis tu peux devenir ami avec lui? Ouais, vas-y. Je vais te montrer Flambusard. Vous entendez bien, je crois qu'on peut encore plus copain. Oh. Ah, il est nul. C'est pas ma faute. Si tu veux pas se faire des copains. Qu'est-ce que c'est que ça? Une boutique de thé. Ça, c'est un café. Ça, c'est quoi? Encore, mais il n'y a que des restos. Ah, une boutique de lunettes. Allez, let's go. Blabla dodo. Oh, ça c'est bien ça. Oh, vu. Ouais, mais non, ça va m'enlever le casque, donc non. Non, je veux pas m'enlever le casque. Non, j'aimerais changer par contre mes fringues, ça oui. Qu'est-ce que vous avez de beau? Ah, c'est sac à dos, c'est sac à dos. D'accord, y a que ça. Baleine à pied. Mimétisme, ouais. Habanero, il est pas beau. Hein. Mimétisme, il est plus sympa. Cela vous... Ah, mais je veux le porter! Oh là là, 4 secondes pour afficher le modèle 3D, mais c'est un truc de fou, quoi.
Et comment on fait pour changer de fringues, là? Des chapeaux, des casquettes, des casques, et bien plus encore. Mais je m'en fous de ça. Ouais, mais non, moi je veux garder mon casque. Mais non, je veux pas rentrer dans la boutique! Oh, le lag! Oui, c'est tout ce qu'il me faut! Non, je veux pas! Putain, les chargements là! Et comment on fait pour changer de fringue là? Comment on fait? Je suis étreiné, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être de la bouffe encore. Il n'y a que des marchands de bouffe, c'est un truc de malade. Il n'y a que des marchands de bouffe. Après, c'est très joli, hein, mais il n'y a que des marchands de bouffe hein, dans ces villages. C'est quoi? Les chaussures. On s'en fout, on se fout les chaussures. Ça, c'est des... ok. Vous faites encore des cafés. Allez, soignez-moi les Pokémon, s'il vous plaît. Pam, pam, padadam. Alors là, où il faut aller, madame l'infirmière Joël. Je ne sais pas où aller. Le nid du dominant de type dragon. Fourbe dragon. D'accord, ok, ça roule. Ça, c'est bien, ça, par contre. Vu que c'est un peu le bordel. Je vais nous dire, bon, bah, je vous conseille d'aller là. Alors, désert rôtissable, en effet, le Pokémon de zone hein, du désert. Oh, une pierre soleil, allô. Allez, allô. Let's go. Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que j'étudie à l'académie. Ah, bah, c'est si, elle, ça fait plus. Ça fait plus longtemps. Si, ça fait plus de 5 millions d'années qu'elle étudie à l'académie. Ouah, il me fait une grimace. Oh non, la grimace. Oh non, qu'est-ce qu'elle est pas belle. Ah, j'ai peur, mon dieu. Oh, incroyable. Oh zut, t'es blessé par le casque brut. Oh. Oh merde, c'est con ça. Oh. Scalpion, oui, j'ai changé de Pokémon. On va mettre Azumarill. Ne me fais pas regretter de changer de Pokémon, s'il te plaît. Putain, ça me fait un gros bide. Ça me fait un gros bidasse. Ah oh, c'est bon, c'est un petit passier, allez, hop là, je m'en plie plus. Ça me fait un gros bidou là. Ça me fait le gros bide. Ça me fait le gros bidasse. 20 ans de travail et voilà le résultat. Bah ouais, t'es une grosse merde. On aurait pu avoir des cacturnes, ça aurait été rigolo. Balgraine, youhou! Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, un Pokémon autruche. Ah, et si on s'amusait? Et si on s'amusait un moment en faisant un combat Pokémon? Ça, c'est une fille. Nadia l'étudiante. Oui, il y a une autruche qui a pop là.
J'ai pas rêvé, il y a une autruche qui a pop. Allez, Kalinui. Normal, on a une autruche qui pop là, comme ça, non, plus on est calme. Et calme la baleine. Oh non! Tempête de sable qui m'inflige des dégâts. Oui, c'est vipère, je vais changer de Pokémon. Je vais mettre. Je vais mettre Darkami. Allez, Darkami, let's go! Voilà, regardez, regardez le fiac de Darkami. Magnifique, hein? Jean-Michel Cadrage. Voilà. Oh, on est passé à travers! On est dans le cul de Darkami. Incroyable. Le cucu de Darkami. Magnifique, hein? Il n'est pas poison, c'est vipère. Je me rappelle plus. Bon, on va te faire une assurance. Ah voilà, il n'a pas pu attaquer. Aïe aïe aïe, Darkami. Oh, un coup critique. Mais c'est quoi cette arnaque? Bon, on va switch. On va prendre Dumpikonovic. L'autre là, le Dendo. Allez, Dumpikonovic. Et Dumpiko. Piétisol là. Voilà, ta gueule. Les poisons. Ah, type sol, merde. Namacel. Oh, bah oui, j'ai changé de Pokémon. C'est le Foils. Allez, on va prendre Canard WC. Jamais Canard WC évolue. Jamais il prend sa forme finale, là, qu'on voit s'il est dégueulasse ou pas. En fait, c'est un bloc de sel. Fermeté ? Oh oh ! Fermeté ! Allez ! Let's go ! Petite balayette, la coup de tête balayette. Oh yeah, je me suis bien amusé. Tu le dindon là. Je suis à côté de lui, hein. Lol. Cléopsytra, d'accord. L'autre un Pokémon type sol. Ah, niveau 39. Les better. Non. Allez, super potion là. Ah, j'ai plus de batterie. J'ai plus de batterie sur la clope. Oh là là. C'est bon ? Hydroqueue. Quel bâtard. Chet ! Et bam, dans ta gueule.
je change la clope. Je change la batterie. Je suis niqué la batterie. Putain, ouais, non. Niveau 39, les gars. Niveau 39, ça fait mal au cul. Les Pokémon de niveau 39, là, ils font un petit peu mal au derche, hein. Allez, bye vous les gars! Je vais au centre Pokémon! D'accord, je vais sous l'eau. Normal. Ouais, ouais, je voudrais soigner mes Pokémon, s'il vous plaît. Ça fait un petit peu mal au cul. Vous voyez, ça fait un peu mal au derche. Ça lag beaucoup, hein. Ça lag énormément du fiac. Merde. J'ai pas vu qu'il y avait un objet. D'accord. Oh putain. Non mais sans déconner, on est en 2022. Hein. Non mais même Cyberpunk 2077 ne buguait pas autant, enfin ne buguait pas autant, ça buguait. Mais ça va quoi. C'est pas en mode dégueulasse sur 20. Là c'est honteux là, là c'est vraiment honteux. Hein. C'est la honte sur 20 là. Qu'est-ce que... Putain non mais les Pokémon, mais les Pokémon merde, les Pokémon de merde là. Il est combien? Niveau 24 hein, ça va. Putain mais les Pokémon de merde qui sont dans le décor, sérieux. Tu m'étonnes que tu te fasses niquer en Nuzlocke, tu m'étonnes. Putain, c'est chiant hein. Une trop charge. Le burn. Même pas. Ça prend pas de dégâts de sable, hein. Salaud. Salaud d'Archéomir. Blim, blim. Ta-ta-tan. Ah, là, il y a un mordu d'or. Donne-nous tes pièces, donne-nous ta moula. Non, j'ai Dark Ami. Je vais mettre Forger là. Ouais, Forger là, on va la entraîner un petit peu la Forger là. Étonnement. Et bim, dans ta gueule. Allez, let's go. Quoi, Azumarill évolue. Let's go, Azumarill. Flambusard, le voilà. Le voilà, le Flambusard. Bon, 60 pièces de mordu d'or. Ça, c'est la classe. Comment on fait pour atteindre l'autre côté, là? Oh non! Oh non, les boulets roux.
piqûre, la petite piqûre. Piqûre de rappel. Allez, genre. Genre, tempête de sable, elle me fiche des dégâts alors que je suis en l'air. Connasse. Connasse. Alors. On est ici et je dois aller là-bas. Attends, je dois aller où là? Je dois aller où, je dois aller où? C'est l'infirmière Joël, elle m'a marqué la zone, mais je sais pas où elle est. Ah, elle est là, ok. Allez, let's go. La casserole. Oh putain. Ah, c'est pas la zone qui craint du cul là? Mais dis ouais, attention, c'est la zone qui craint du cul. Et je perds de l'altitude, Oh là putain, il y a une gang de Azumari là. Wouah! Oh. Elle est trop puce et tout. Chaud patate, trop puce. Ça, je sais pas ce que c'est. Et les insécateurs. Un sécateur, ce serait stylé. En vrai, un insécateur, ça pourrait être pas mal. Il y a des merdasses là. Faut faire super gaffe. Ah, tellement de succès. Qu'est-ce qu'il y a tellement de succès? T'as déjà entendu parler de la streameuse qui s'appelle Machine? Ouais, t'as entendu parler du streamer qui s'appelle Fouals? Le streamer chevelu, aux gros cheveux. Moi j'y rêve, d'accord. Et des cœurs. Eh ben des cœurs, le BTR. Quoi? Ah bah carrément, oui. Je me casse, oui. Mais niveau 50. C'est vrai que je peux fuir, hein. Attends le jeu, tu m'envoies dans une zone niveau 50. Mais t'es sérieux? Je voulais voir un petit peu, mais non. Mais non. Clairement pas, non. Mais clairement pas, c'est quoi cette zone? Mais c'est quoi cette zone, what the fuck-esque? Mais elle est folle, l'infirmière, là, elle m'envoie sur la casserole. Mais la casserole, mais t'as vu les niveaux? T'as vu les niveaux complètement pétés des dresseurs? Tiens, là, il y en a un, là. Tiens, donne-moi ta pièce, toi. Ah, il y en a quatre. Allez, let's go. Non, mais what? Ah, je suis en uselock, hein. Allô, je suis en uselock. Putain, il y avait des levénards là. Et des fameux insos lourdos. Je suis plutôt casanier. Toi, t'es quel niveau? J'ai boîte casanier et j'ai pas pu résister à l'envie d'observer cet endroit magnifique. Bon, l'énergie déjà. Quel niveau? Ça va. Ça va. En vrai, ça va.
Non mais putain, le niveau 50 quoi, ma Jiren niveau 50 quoi. Non mais je vais pas me faire rouler dessus non plus, pas déconner. L'énergie qui se charge en électricité bien sûr. C'est un petit sol. Alors on va calmer les ardeurs. Non mais c'est quoi cette zone du la casserole là? C'est vraiment splendide. La baie papaya. Mais qu'est-ce que c'est que cette zone de malade là? Une zone de fou furieux, de fou malade. Là, il y a des Karchakrok. Parce qu'en plus, ils le disent, hein, la casserole, attention. Ça pique du cul. Ah ouais, non, mais ouais, mais non, quoi. Il y a des Tritox. Terra éclat combat. D'accord. C'est rare des Pokémon aussi forts. Crois-moi, on n'en voit pas souvent des Pokémon aussi forts. Tu veux les voir, allez à vous. Et ça va être quel niveau qu'on rigole? Un Charbambin, ouais, ça va. 5000 raids. Qu'on aura le plaisir de retrouver si on termine le Nuzlocke. Hein. Kalinric. Qu'est-ce que tu peux oublier à la place de Kalinric? Ouais, Vampire Baiser à la rigueur. Hein. À la place de Vampire Baiser, ouais. On s'en fout, on peut le rapprendre à Vampire Baiser donc. Param param papam. Spiritomb. Ouais, tu m'envoies un Spiritomb, tu m'arranges pas. Tu m'arranges absolument pas, toi et ton Spiritomb là, Rémi. Bah, miaou. Spiritomb, mon spectre. Déjà pour le toucher. Ça sera pas la merdasse pour le toucher, ça va pas être la merdasse. Mais c'est vrai que c'est pas. C'est pas pratique. Miaou. Tranche à quoi? Non, ça doit le toucher. Ok, tu m'as dépité. Je suis dépité. Et tranche à quoi? Let's go. Voilà. Miaou. C'est impressionnant un dresseur aussi fort. Ça va le son du jeu? Je vous ai pas demandé. Ah, ça y est, il pleut. Ah, il y a des Mayans. Il y a des Mayans sauvages.
Toujours pas une zone, non? Toujours pas. Quoi? Des simularbes. Un tropus. Zone ouest 2. Zone ouest 3. Ah si, c'est une zone. On va voir qu'est-ce qu'on a comme Pokémon. Je vais te montrer une illusion comme personne n'a encore jamais vu. Attention, je crois que j'ai un Tropius au cul. Rodrive, d'accord. Est-ce que j'ai un Tropius au cul? Non. Il m'a semblé avoir un Tropius au cul, mais non. À Hydroqueue. Voilà. C'était un Zorua. Ok. Et toi aussi, en fait, t'es un Zorua. Non, il va me faire boom final, non? D'accord, il stocke. Stockage, ça j'aime pas ça. J'aime pas la capacité stockage. Non, là, je crois que ça l'affecte pas. Je suis con. Ouais, voilà, c'est bon, il a relâché. Hydroqueue, let's go. Je vois que mon illusion ne t'a fait aucun effet. Ah non, pas du tout. Perdu, comme dirait le Bapto. Ah. Cadavre WC qui évolue. Oui. C'est quoi ce danseur brésilien là? Palmaval. Ah, au combat! Ouais, d'accord. Sa danse insolite et captivante, il met ses adversaires en pièces à l'aide de ses plumes ornementales composées d'eau. D'accord, donc c'est un au combat. Ok. Danse aquatica, la fameuse. LOL. À la place de voix enjôleuse. J'ai dit encore un. C'est quoi? C'est un tropignon. Là, il y a des Severta. Il y a des Flambusard. Il y a des Aiden. Ok, des insécateurs, stylé. Des balignons, oh, putain, j'aimerais pas tomber sur un balignon sans déconner. Cornèbre, pourquoi pas. Bégouave. Un miaous, un miaous. Mais j'ai pas envie de tomber sur un miaous. Oh non, il y a des grondidous. C'est lui le plus mignon des Pokémon. Oh, des simularbes et tout. Oh, génial. Ah oui, d'accord. Il suffit d'un peu de bon sens pour réaliser que c'est lui le plus mignon de mes amis. Il faut sûrement pas comprendre. Ouais, des persillants. Oh, excellent. Excellent. C'est un mélange d'excellent et excité. Excellent. Voilà. Ah non, c'est un mélange de stylé et d'excellent. Excellent. Allez, Dempikonovic.
Madame Pikonovitch. Ça n'affecte pas Dumpikonovitch. Petit sol, par contre, ça, tu vas prendre cher, mon gars. Ah, tu vas prendre cher, mon petit gars, mon petit Deden, là. On peut dire que tu sais manier la Batman. Et bonsoir, le Dante. Tourogne. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Sympa ça, 90 de puissance, c'est énorme. À la place du coup de boule. Oh, Tourogne. Génial. On a battu Natacha l'étudiante. Oh, je suis déçu. J'ai perdu, mais pour moi l'essentiel c'est que tu comprennes que Deden est trop mignon. Ah ouais, ouais. Dante, est-ce que tu as trouvé que Deden était trop mignon? Est-ce que pour toi ce Pokémon Pikachu-like est trop mignon? Ou est-ce que toi aussi tu trouves qu'il est nul à chier, qu'il est moche? Putain, il y a des trop puces. Attention, il y a des... Oh non, mais il est à côté de la Pokéball. Oh, le connard! Il va me scammer. Oh, il y a un colossinge, je veux un colossinge. I choose you. Pokémon de zone, I choose you. Qui a ta remontre trop tard. On l'a passé. Mais j'ai peur de lui faire mal, ce con là. Il fait nuit. Allez, let's go. Redis son nom, je vais check. Deden. D-E-D-E-2-N-E. Ah ! On va l'appeler le Dante. Non, tu vas pas prendre grimace, on s'en fout. Et dégueulasse. Il y a mon pater. Voilà. Pour le Pokémon et le marteau, c'est pas lui le Dante. Mais est-ce que c'est une fille? On va l'appeler Dantiflex. Dantiflex. Voilà. Je veux... Allez, je vais l'inclure dans l'équipe, Dantiflex. On va le mettre à la place de... Bon, à la place d'Azumarill, là. Allez, let's go, Dantiflex. Voilà, évidemment, il me le... Voilà. Il me les fout au cimetière, alors que pas du tout. Putain, regardez-moi ça. C'est si tag, voilà, non. Alors, Dantiflex. Résumé.
T'es en combat. Putain. Mais putain! Mais putain! Oh putain, mais de merde! Putain! Il est mal poli. Ouais, pas terrible ça, mal poli. Il est un peu vaniteux. Aïe aïe aïe. Empêche les Pokémon de s'endormir, ça c'est bien. Et que nous dit le Poképortail? C'est quoi ça le Poképortail? Non, non, si c'est internet, non. Je voudrais le Pokédex. Encore un Dante qui va tout casser, j'avoue. Ah voilà, Pokédex. Demain, on est une nouvelle vie, alors... Eh ouais, demain, ouais. Oh là là, incroyable. Attendez, juste... Alors, juste, clac, clac, je regarde un truc. On s'en branle de ça, putain. Ok. Ok, ok. Et ouais, demain, début d'une nouvelle vie. Qui, j'espère, sera meilleure. Comme ça qu'on peut changer de tenue ou pas? C'est pas comme ça qu'on peut changer de tenue, c'est de la merde. Non! Oh, on aurait pu avoir un essou lourd. Ah, c'est pas un Pokémon terrible, hein, mais... Balayage. Oh, Fragile Eddy. T'auras pas des souvenirs, ça, Dante, Fragile Eddy. Ça rappelle de beaux souvenirs, ça. Oh non, on aurait pu avoir un Lansourien. Oh. Oh, mais putain, stylé. C'est quoi ça, les tag tag? Un rondoudou. Persian, ok. Des Voltorb qui vont péter. Comme d'hab. Des cornèbres. Jusque là tout va bien. D'accord. Allez, Mesclamora. Et ouais, donc à partir de demain, ce sera le début d'une nouvelle vie. On va voir. Est-ce que ça va changer quelque chose? J'espère en tout cas que ça va changer. Que du moins que ça va améliorer les choses. Qu'il y aura une meilleure stabilité. C'est-à-dire qu'il y aura un entretien au niveau de la ligne. Que ce soit pas laissé à l'abandon, tu vois, que ce soit pas laissé... Après, la nouvelle vie, ce sera vraiment quand on aura la fibre. Là, quand on aura la fibre, ce sera vraiment la nouvelle... Ce sera la nouvelle vie. Alors, donc, ok. Ce sera vraiment la nouvelle vie. Qu'est-ce que c'est? C'est un colisée, c'est une arène, c'est quoi? Génial. Donc ce sera vraiment une nouvelle vie. Mais sinon, comme je disais, à partir de la semaine prochaine... Enfin, toute la semaine prochaine sera des lives sauvages. Parce que bon, non seulement je serai en congé, mais surtout, il y aura bien évidemment l'arrivée de la nouvelle connexion Internet. Donc du coup, je ferai des tests. Et je vais pas pouvoir me permettre de donner avec exactitude un planning
alors que je ne suis pas sûr de pouvoir l'assurer. Et surtout, je vais aussi acheter un bureau. Donc il va falloir que je modifie tout le setup. Il faudra que j'enlève tout mon ordi, tout ça. Donc là aussi, pareil, je préfère éviter. Je préfère éviter de me prononcer. Parce qu'après, il faudrait que je fasse aussi les essais. Donc du coup, ça sera plus des lives sauvages sur toute la semaine. Tunnel Mescla Pincho, mon AP. D'accord. Donc là, c'est une nouvelle zone. C'est tout une nouvelle zone. Oh, les vigorotes. Honor Ball, ça sert à rien les Honor Ball. Persian, des flammes buzards. Ah, j'ai entendu. Yeah, un mordu d'or. Donne-moi ta pièce, connard. Oh, il y a Aiden, ouf. Là, il y a le Pokémon de glace, là. Stylé, ce Pokémon. Vers le Monapé, vers Pinchoria. Nya. Bonjour. Ah, c'est mon Pokémon de zone. C'est le Pokémon de glace, ça, non? Qui est assez. Souplex. Doucement, doucement. Je vais switch. C'est vrai. Le casque brut. Le casque brut. Ça va me le mettre KO. Nya. Oh putain, regardez-moi ça, putain, un danseur brésilien, quoi. Et Bobol, ça va être impossible de vider, évidemment. Non, je ne peux rien faire. Oh là là, zut alors. Utilise un rebond. Oh, ben, j'ai évité l'attaque. Ouais, hyper bol. Un pied tassé. On dirait une couille. Appelez couille tendue. Baleine à pied. Pokémon glace, les Pokémon vivent généralement en groupe de 5 dans les régions froides et rafales des minéraux contiennent la neige et la glace. Oui. Merde. Couille tendue. Et voilà. Couille tendue. Envoyé dans une boîte PC. La couille tendue. Magnifique, magnifique couille tendue. Ils sont contents. Ouais, tu as attrapé une couille tendue. Extraordinaire. Ouais, il fait bien froid. Je suis plus détendu quand il fait froid comme ça. C'est ton choix, hein, mais... Pablo. Pablito, le livreur. Un Corvéus, ok. Henry. Oh, il me provoque. Oh, tu m'as provoqué. Un rebond, ça lui fera pas grand chose.
Ça fera pas grand chose. Ça fera pas grand chose. Vol. Ah, il s'est remis de la provoque. Très bien. Voilà, je veux que tu m'attaques sur le physique. Voilà, comme ça, tu te blesses avec le casque brut, connard. Alors, on sait jamais. Super potion. Je veux pas prendre de risque. Et bonsoir, kangourou. Comment ça va? Voilà. On met un petit peu. Et il est mort. Ah, le casque brut. Complètement pété ce casque brut. Bonsoir, ça va bien et toi? Bah écoute, ça va, impeccable. Allez, Dantiflex. Quand je disais être plus détendu, je parlais de mon travail, hein, pas des combats Pokémon. Ah, c'est ça, ouais, gros rageux. Gros loser. Mais regardez-moi ça, il y a des Pokémon. Putain, mais il y a des Pokémon buggés. Quand je dis qu'il y a des Pokémon qui sont buggés, c'est buggé, c'est buggé as fuck. Là, ça va nous mener où, quoi. En plus, c'est même pas une zone. Oh, c'est dommage, même pas une zone. C'est de la merde. Sûr de Meditica. Donne-moi ta pièce! Là, on sent que ça rigole plus, là. Pierre dure. Donne-moi ta pièce! Et donne-moi ta pièce! Oh putain. C'est génial, il y en a partout. Tellement dangereux tous ces bugs et tout dégueulasse, ils ont tellement de bonnes idées que tout est foutu en l'air à cause de merde comme ça. C'est complètement ça. C'est tout foutu en l'air pour de la merde. Ils ont réussi.